Notre activité n'est pas une activité de père tranquille où il ne se passe jamais rien. On est toujours, nous, entre deux problèmes à régler. Et les trains sont partis des plus grands problèmes. En pourcentage, on doit avoir 90% de problèmes avec les trains d'atterrissage, 10% ou 7-8% avec les moteurs. Et puis la radio, c'est vraiment maintenant accessoire et annexe. C'est ce qu'il y a de plus fiable. Je parle pas du pilote, c'est le maillon faible. Mais bon, s'il n'y en avait pas, il n'y aurait pas d'avion, il n'y aurait pas tout ça, il n'y aurait pas ce spectacle. Donc voilà, on continue avec donc des chasseurs qui ont volé l'un après l'autre avec une dizaine d'années d'écart. Le B-61 Black Widow devant, bimoteur, qui était surtout un avion d'intervention de nuit. Un avion très original dans sa conception. Si vous avez l'opportunité de vous faire expliquer le fonctionnement des ailerons, des AF sur les ailes du P-61, il y a beaucoup de choses à dire. La technologie était en pleine recherche à l'époque et de distance, donc échelon refusé, comme on le dit dans certaines présentations publiques aéronautiques. Et puis derrière, en préparation, on va passer avec des racers. Il y en a 4 en préparation, donc des avions plus petits, 2 mètres, 2 mètres 20. Des moteurs des 62 titans, des avions faits pour la vitesse. Et parmi eux faisait déjà partie des constructeurs des avions très très performants. Et Caudron a été le seul constructeur au monde à battre les Américains sur leur terrain avec des avions beaucoup plus fins, beaucoup plus performants sur le plan aérodynamique que les mastodontes américains avec de gros moteurs en étoile. Donc vous allez voir le Caudron, il est tout bleu. Il porte le chiffre 13. Il n'y a pas que des gens superstitieux sur les terrains. Et puis c'est un avion très très fin qui avait été conçu. Et les moteurs, c'était des moteurs Renault. Voilà. Petit moteur Renault. Hein. Les moteurs Wright de l'époque faisaient 650 chevaux. Et les Français avec 220-250 chevaux faisaient aussi bien en vitesse. Donc on va pouvoir juger tout à l'heure.